Bon les amis, on se prévoit un budget rafraîchissement en travaux pour avoir une maison de maître pleine de caractère. Allez, je vous montre. Ici, c'est 900 mètres carrés de terrain. Un peu pentu, certes, mais ça aide à garder la forme. Cette maison, c'est 5 chambres, dont une en rez-de-chaussée, 200 mètres carrés habitables, quasiment totalement équipée de double vitrage, puisque quelques fenêtres restent à changer, mais le budget est minime. Le plus gros du budget reste sur le rafraîchissement et la rénovation. C'est une entrée comme je les aime, qui distribue parfaitement les pièces du rez-de-chaussée avec une touche que j'adore, les carreaux de ciment. Sur ce type de maison, on profite traditionnellement d'une cave, ce qui permet d'accueillir une buanderie totalement isolée juste derrière et donc de ne pas sortir l'hiver pour faire sécher son âme. Le local technique pour les deux chaudières. Pourquoi deux chaudières? Puisque le chauffage central de cette maison est assuré par, juste derrière moi, une chaudière appelée bois granule, comme vous voulez, et que l'eau chaude des panneaux sanitaires est-elle assurée par une chaudière au fioul. Et puis, on gardera ici un espace cave à vin qui me paraît essentiel. Au premier étage, un palier qui distribue 3 chambres spacieuses, une salle de bain et un double WC. Au dernier niveau, une chambre, une salle de bain et un double WC, mais aussi une grande pièce qui peut servir de salle de jeu, de salon, de salle de cinéma, tout ce que vous voulez. La suite parentale située au dernier étage est-elle chauffée par un chauffage électrique atlantique, qui reste une bonne marque, mais qui ne se déclenche quasiment jamais, puisque l'intégralité de la toiture a été refaite en ardoise naturelle, c'est à préciser. L'isolation tient donc parfaitement la route. C'est ce type de maison que tu recherches, dis-le-moi en commentaire. Si tu veux savoir qui nous sommes, clique ici. Si tu veux suivre nos prochaines visites, nos prochaines exclusivités, clique ici. Si jamais tu souhaitais nous laisser ton cahier des charges, je te mets un lien directement dans la description. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine visite sur YouTube.